merci beaucoup et encore bravo à la Société des Beaux-Arts. Il y a 25, à peu près 25 boulonnais, mais sur 60 artistes, il y a quand même aussi des artistes extérieurs qui ont été conviés à exposer dans ce salon. Comme Verastil qui est près de vous d'ailleurs. Comme Verastil. Mais comment vous l'avez découvert? Alors Verastil, j'ai eu la chance de la rencontrer dans l'exposition Art Shopping. Au Carrousel du Louvre de cette année. Au Carrousel du Louvre, et donc voilà, ça a été une découverte. Je fais quelques salons, quelques galeries, je vois, je regarde, j'observe et je cherche les tendances et puis les originalités. Voilà. Merci, merci. Merci. Bon. Alors, un shopping, c'était une belle exposition avec un nombre d'artistes de tous horizons. Un melting pot très intéressant. Là par contre, pour ce salon d'automne, il y a une cinquantaine d'artistes, oui. Je vois. Alors l'avantage quand on est artiste, c'est de, par rapport à Art Shopping, c'est d'être sélectionné dans une très belle salle d'exposition et d'être assez peu nombreux pour être remarqué. Donc c'est quelque chose de très agréable en tant qu'artiste. Artistes très différents les uns des autres, et sur cette œuvre je vois la face cachée de l'iceberg. Oui, dites-moi, vous êtes arrêté devant l'œuvre de Verastil. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous interpelle? D'abord les couleurs et puis les formes, même si c'est non figuratif. Probablement l'auteur a pensé à quelque chose en particulier. Mais moi, je vois surtout les formes et le jeu de couleurs. Parce qu'il faut un équilibre dans la vie. Il y a la vie de tous les jours, les tracas, les problèmes. Il n'y a que l'art qui peut compenser pour ça et nous donner la tranquillité qui nous permet d'aller plus loin. Merci bien. C'est pour le Boulogne News. Alors, ce soir, exceptionnellement, par l'intermédiaire de Marie-Laure, nous avons pu découvrir ce salon d'automne pour la deuxième fois. Et vous êtes quelqu'un qui a déjà marqué cette ville par une exposition exceptionnelle il y a quelques années. En 2008. Non, c'est-à-dire que je souhaiterais créer une triangulaire, parce qu'entre le Brésil, mais ça c'est un... Vous en parlez, c'est un scoop. Je pense monter à voir le dernier. Cette année, c'était la joie, donc cette œuvre, je l'ai appelée volupté, puisque la volupté, c'est un état de bien-être qui peut symboliser la joie aussi. Et c'est toujours intéressant de voir de quelle façon chacun exprime ce thème de la joie. Et puis ici, je suis particulièrement ravie de la façon dont le salon a été pensé. Moi et chacun en exposé. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs œuvres.